Ça tous voter le projet de loi à adopter par concernant l'IPTV et pour lutter contre le piratage, le projet de loi présenté comme une étape majeure dans la lutte contre le piratage a été adopté hier après-midi, très attendu par la chaîne de sport. Cette loi portant sur la régulation et la protection de l'accès aux services culturels de l'ère numérique a mis du temps à aboutir, retardé par le Covid. Avec 25-24% d'internautes qui se rendent sur des sites proposant des contenus illégaux en France et 2,5 millions de pirates réguliers du programme sportif hors IPTV dont l'usage a doublé en 3 ans. Le piratage touche durement les chaînes sportives payantes, mais aussi indirectement les ayants droit qui leur vendent les droits de diffusion. Il y a 3 ans, Beïn a ainsi poussé les principaux diffuseurs ayant droit à se mobiliser pour lutter contre le piratage en lançant l'Association pour la protection des programmes sportifs. Cette loi doit permettre de bloquer rapidement les adresses numériques distribuant ou diffusant des contenus piratés, en particulier des événements sportifs diffusés en direct avec la possibilité d'action en justice tolérée et le blocage des sites dits miroirs. Une des techniques utilisées par les pirates pour contourner la fermeture de leur site de streaming, l'application de la loi dont la promulgation est attendue dans les prochaines semaines dépendra beaucoup d'un travail d'un nouvel organisme. La CROM, Autorité de régulation de la communication individuelle et numérique, une fusion de la Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits Internet, et du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la naissance est prévue pour janvier 2022. La CROM sera chargée de faire le lien entre l'autorité judiciaire, les chaînes payantes et les ayants droit, les opérateurs techniques, FAI, moteurs de recherche, etc., dont la collaboration est nécessaire pour empêcher les sites de pirates de fonctionner. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ils n'ont pas tort, sauf qu'il y en a marre, qu'il faut prendre 3 ou 4 abonnements pour suivre tout le foot. Avant, c'était mieux, il y avait que Beïn et Canapus. Maintenant, il y a Beïn et Canapus. RMC, on ne sait pas sur quoi regarder et sur quoi ils diffusent les rencontres. De plus, ils sont diffusés aussi des fois sur des chaînes gratuites comme M6 et W9 et TF1, notamment l'Europa League. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.